What's up les gars, c'est Chroniok, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on est enfin arrivé au festival tatouage, regardez-moi cette déco. C'est juste une dinguerie, j'adore ce style japonais. Je sens qu'on va passer encore une année de fou. J'espère qu'il y a un tatouage qui va me plaire. De toute façon, on découvre ensemble, comme d'hab, direct. On voit le caméraman juste ici, à chaque fois c'est moi qui filme mais c'est pas grave. Et c'est parti. On commence par les trucs d'animation ou direct les tatouages? Comment ça, un porte-clé? C'est pas gratuit. On repasse tout à l'heure. Vas-y, on y repasse tout à l'heure. La disposition est un peu comme l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, il y a toujours les transats. Bon, on va rentrer au vif du sujet, c'est parti. Bah, peut-être parce qu'ils ont pris des rendez-vous avant. Il y a les tatouages qui sont juste magnifiques. De quoi? Bah je sais que c'est ouvert à 13h, mais bon, il y en a, ils sont larges en avance. Ouais, 350. 60. Là, en vrai, même les t-shirts, ils sont pas mal. Hein. Ils sont cool. Je suis mort. Regarde le Stitch. Et la couleur. Oh, trop classe. Les Shenron et tout. Même ceux-là, ils sont pas mal. Bah même Naruto il est stylé. Moi je sais pas trop encore ce que je vais me faire tatouer. Si je me fais tatouer. Pronostic, si je me fais tatouer, je me fais tatouer quel thème? Manga, un peu plus viking, c'est un peu mes thèmes primordiaux. Donc à voir ce que ça va donner. Ah là ça va être tout ce qui est piercing, imagine. Ah il fait des tatouages aussi mais peut-être. Ah non c'est des tatouages dans les oreilles. Peu prod, français, peu coco. Ah ouais? Ah ça c'est pas mal avec les bubble tea. Ouais. Un thème tatou Barbie. Je suis mort. Tout est rose. En vrai là on passe en assez rapide quand même pour voir un peu tout ce qu'il y a. Après on demandera les prix et tout. Je vais tout filmer. Bah le plus possible parce qu'il faut savoir que les œuvres, j'évite de trop les filmer trop longtemps. Parce qu'en fait sinon il y a des gens qui volent les tatouages. Et je suis au courant. Ah ouais, non mais t'as vu la taille du truc, je vais payer 800 balles. Non, non, moi j'ai un petit tatouage à 120 balles max quoi. Ah ouais, il est beau. J'aime bien ce délire de, tu sais, de couture aussi en tatouage. C'est très très cool. Oh, je suis mort. Regarde, t'as vu le truc Stitch au fond? Wanted Stitch. Ouais. Petit bouddha et tout. Même les scies, Tattoo Festival. Ils sont pas mal les scies. La tête de Frankenstein. Ça c'est quoi? C'est des canets, des styles, peut-être des bières, je sais pas. Hein, tu repartiras sur du très gros ou plus pointillé? Des trucs. Oh là, il y en a, ils sont pas mal. Il y en a, ils sont pas mal. De quoi? Vas-y, pas. Ouais, parce que l'année dernière... Ouais. L'année dernière, en fait, on a eu... Le caméraman a eu un tatoueur italien et c'était une catastrophe. Et même on aurait kiffé le revoir pour des retours quoi. Ça aurait été hyper cool. Bon, on se retrouve dès qu'on a trouvé des petits tatouages ou des trucs intéressants, je filmerai. Il y aura une petite transition, je filmerai 2-3 trucs et voilà. Bon. On se dirige du coup vers la deuxième partie des tatouages. Je pense qu'il va y avoir des beaux trucs quand même. 2 sur 3 food truck bar, espace sur pilier. Donc là, il va avoir un peu de tout. Donc, il y a monsieur et ses ateliers. Salut. Du coup, c'est là-bas où j'allais me faire coiffer avant. Ça donne ça le hall 2. Avec le petit van. Là, je pense que tu peux acheter tes encres là-bas. Je sais pas si vous allez bien voir. Les petits food trucks. De toute façon, après, on va tester un petit food truck pour manger et tout vers 15h, je pense. Bah ouais. On va voir ce que ça va donner ici. Ouais. Oh merde. Je viens de filmer Orc. Non mais tu sais je me concentre sur la caméra quand je filme. Et je regarde et je vois, je fais oh merde. Et du coup et tu vois sur la caméra, ça met pas duré une demi-seconde, je fais oh putain. Voilà, pas content. Pas content. Oh là les affiches. Elles sont magnifiques. Quoi? C'était le monsieur qui était à côté de ton stand là. Ah ouais?
Par contre, les prix sont vraiment pas chers, 200 balles. Attendez. Et les gars, en fait, depuis tout à l'heure, tout le monde me regardait de travers, je comprenais pas. Mais c'est parce que j'avais laissé mon flash. Du coup, tout le monde voyait que je filmais vers le côté. Là, on double. Là, on. Bon, c'est parti. Je sais pas ce que c'est un petit stand de stylé. Des dessins. Wouah, le stand de ouf. Franchement. Mais en fait, je kiffe, genre, cet univers de déco. Regardez, je sais pas si vous allez comprendre. Genre, tout le long, il y a ça. Même là, je kiffe, ça fait délire japonais, j'adore. Bah oui, t'as même des gachapan, j'avais pas vu. J'ai un coup. Bah ouais, t'as les midi bandes d'arcade. Non, franchement, c'est trop cool, trop classe. Tattoo piercing. Ah ouais, en fait, c'est un autre partie bouffe en fait. Avec tous les food trucks. Ouais, ça sent trop bon. Les gars, en fait, vous pouvez pas sentir, mais ça sent trop trop bon, sa mère. Bon, en vrai, là, on a fait à peu près le tour d'ici. Hein. Ah ouais, ce que je vous ai pas dit aussi, il y a encore plein d'animations comme toutes les autres années. Ah, super. Les animations, il y a Mer Dragon, Paris Lyon Sport. Je vais se regarder en rapide. Encore Cynic. Tu veux aller là? Manga, comics, Disney, cartoon, gaming. Oh putain, comment j'étais proche de ma cam. Bah non, là on l'a pas encore fait, on est passé là. Pop, 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 pop. Ah bah, ça c'est complètement dans ton délire ça en fait. Jean-Pierre. Je sais pas, peut-être qu'on va voir. Tu vois, genre ça, ça tirait bien. Du coup, tu vois, tu peux faire ça là, tu vois. Avec la pointe qui part là. Vous inquiétez pas, je filme pas, hein, je filme mon visage. Celui-ci où? Sur le bras, l'avant-bras. Dans l'intérieur du bras. Ouais, là on va être à 130. Ok. Pardon. C'est de base, c'est pas prévu, chaque fois que je tatoue. C'est pas grave. Ah, c'est toujours comme ça, ça c'est les salons du tatouage, c'est comme ça. Mais je sais. Non, je me fais pas tatouer. Bon, je reviens. Bon les gars, le caméraman a trouvé un tatouage, il va être magnifique, je vous montrerai ça juste après. Du coup là on va lui chercher une canette de coca parce qu'elle a pas mangé. On a mangé assez tôt hier en vrai. Là il est déjà, j'ai pas de montre, je fais semblant de regarder, il est 14h, 15h. Du coup je cherche un coca rapide, ça va durer une petite demi-heure je pense. Il est vraiment très beau, je suis pressé de voir sur elle. Moi j'ai toujours rien trouvé, rien qui m'a tapé dans l'œil. Espérons qu'on trouve un truc. À voir, à voir. Et après on ira à la partie... On ira voir cette partie là et il va avoir bien les spectacles et tout, donc c'est cool. Chercher son coca avec le petit verre, moi j'ai ma petite bière avec le verre. Cette année il est stylé le verre encore. Hein. Moi je l'aime bien. Je vais me chier dessus. On t'a entendu dans la vidéo. Je vais me chier dessus. Des petites figurines et tout. Ah c'est cool hein. Bon, let's go, on y va. Et go chier dessus. Ça va, ça dure 30 minutes. Les toilettes, c'est juste là. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est en cours, c'est en cours. Et moi, j'ai toujours pas trop de tatouage. Du coup, je me noie dans l'alcool. Non, c'est pas grave. On verra. One eternity later. Du coup, ton ressenti? Très mal. Parfait, c'est ça qu'on voulait entendre. Sur ce, nous, on continue sans toi. Bon les gars, j'ai craqué, j'ai trouvé un tatouage magnifique à 200 balles. Enfin il m'a dit 220, j'ai négocié à 200. En plus il va me le faire un peu plus grand. Là on va aller voir le caméraman, savoir si ça a fini. Et comme ça moi direct je fonce pour faire mon tatouage. Désolé, je vous montre pas assez les animations, je vous parle beaucoup. Mais deuxième année, ça reste fou. C'est insane, je kiffe vivre ça. Et voilà. Et dommage, j'ai pas filmé, j'en ai vu un aussi. Peut-être quand je ferai mon road trip et je remonterai du sud. Je me ferai un tatouage, j'ai kiffé. Bon voilà, bah elle est plus là. J'ai perdu le caméraman. Ah non, c'est bon. C'est bon, elle est toujours là. Attendez. Les gars, matez bien ce visage, c'est le visage du seum d'avoir fait un tatouage. Parce que ça douille sa mère. Je sais que je vais être content à la fin, mais là, à chaque fois, moi, les jambes, je douille sa mère. J'ai fait les côtes, j'ai fait le coude, j'ai fait partout. Mais alors les jambes, ouais c'est quoi, c'est dingue. Je pense que je suis trop musclé des mollets en fait. J'ai mollé beaucoup trop musclé. Faut se rassurer comme on peut. Mais là ça fait mal. On n'a même pas fait la moitié encore. En fait j'ai presque une heure. Là j'attends mes putains de bonbons.
que le caméraman va me chercher, mais apparemment a maté le spectacle pendant que moi je souffre. Pendant ce temps-là chez le caméraman. Je suis sûre que j'avais quelque chose à faire. Si je me demandais un truc, mais c'est plus cool. C'est pas grave. J'adore ma vie. Bon, et je la vois pas arriver. Hein. Ça me fait peur. Le caméraman m'a ramené un bonbon. Moi du bien. Bon les gars, je ressors enfin du tatouage. Ah j'en ai marre. Ça a duré 1h30. J'ai eu grave mal. J'ai jamais eu mal. J'ai jamais eu autant mal. À chaque fois je dis ça, mais c'est horrible. À chaque fois la jambe, je souffre de vous. Je vous montre juste après là, on va se diriger pour manger. Et les deux, c'est parti. Deux menus burgers. On a eu pour 31€ les deux. Franchement, ça a l'air trop bon. On va goûter ça à l'instant. Et juste après, je pense, on va aller goûter les petits onigiri là-bas qu'on a vu. Bah, c'est Cameraman qui a vu. On va voir ça. Je vais taper un pro pour savoir. Dans le mien d'abord, le poulet, comment il a l'air trop bon. On regarde ça. Avec des oignons crispy. C'est parti. Les gars, c'est pas une blague, c'est une frappe à te bouffer. Par contre, il manque des serviettes. Ah, on a oublié d'en prendre, c'est chier. On va chercher ça après. On va goûter les petites frites, patates douces et classiques. Moi j'ai pris la sauce pita. Oh, même les frites, hein, c'est bien gras mais c'est bon. T'façon, le gras c'est la vie. Ah oui. On va goûter le burger du caméraman qui a l'air vachement bon aussi. Hein. Le enfin, classique. Ouais bah. Classique, ça s'appelle hein. Le classique, ça tombe bien. C'est vrai. Que le pourcentage d'amour il baisse quand tu fais des gros pots comme ça, tu vois. Ok, ouais, ok, non, non, okay voilà, d'accord. Et mangeons pareil, dinguerie. Du coup, nous on mange tranquillement, on va voir si on regarde 2-3 spectacles. Et bah voilà, on va continuer la journée tranquillement et sûrement. Bon, allez. Avec le caméraman, on a vu qu'il y avait des onigiri, on est obligé de tester. On kiffe ça. Ah, t'avais raison, c'est 5 balles. Je sais pas lequel on va prendre. Le bibimbap. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était quoi? Oh, bah la caméra, comment il fume? Non. Non? Oh. J'ai jamais mangé un onigiri sur vous. Ah. Oh, c'est une première. Bon. Cheers. C'est une frappe atomique, tu vas kiffer. Okay. Tu vas kiffer. Bon. Tu veux goûter? Je crois que j'ai goûté ça. Mais non. Carrément maintenant tu fais partie des vidéos. Oh la joie. C'est pas genre Trom. Mais il a raison en fait, t'as un repas entier en fait quand tu le manges. Trom. C'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire. Le travestir. On se retrouve pour je sais pas quoi, on verra. La suite au prochain épisode. A tout de suite. Ça, j'ai toujours rêvé d'en faire, je pense. C'est quand on va être au Japon qu'on va le faire. 287 yens. Pas toi? Non, genre en mode tuc. Non. Non, non. C'est juste des stickers. T'as dit quoi? Mais il y a des. Merde. Des salons de tatouage qui font ça et après tu le fais tatouer. Mais là c'est juste pour le délire quoi. Franchement comme je vous ai dit l'année dernière, pour ceux qui me l'ont franchement c'est comme je disais, pour ceux qui l'ont pas fait l'année dernière, franchement foncez, c'est trop bien. C'est une dinguerie. Genre c'est grand, tout le monde est gentil, c'est une communauté vraiment good vibe. Franchement ça fait plaisir. Je vous ai toujours pas montré mon tatouage, enfin je le montre, sinon je vais jamais le montrer. Après là entre deux faut qu'on retourne à la voiture pour une autre vidéo. Je pense je vais te dire, je fais une vidéo une semaine avec les boissons Oli énergisant. A voir, t'as dit quoi? Ah ouais. À part de L. L. Genre en mode papinop, je sais pas comment dire. Oh. Il était juste super. Regardez, je passe à côté des guitares. Regardez-moi ces guitares, comment elles sont magnifiques, les designs.
coup, on arrive à la partie un peu magasin. Je sais pas comment les décrire, avec des t-shirts. C'est un peu bruyant, je suis désolé. Bon, vous voyez, il y a des beaux t-shirts. Même des bijoux. Oh, la bande d'arcade de ouf! Oh, elle est magnifique! Oh là, c'est morbide là. Il y a game over. Hein. C'est la CBD dealer France. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ah ouais. À voir, c'est vraiment du CBD. Ah, c'est trop d'art, c'est les plaques. C'est les plaques. Et tiens, il y a même une plaque cynique. Ah, j'ai pas vu. Oh, il y a des jolis bijoux là. Bah ouais. Voilà, je viens de croiser le frère de Jean Marais. Il a une petite ressemblance, je vous taquine, monsieur. Oh. Incroyable. T'as dit quoi? Ah, je crois que tu m'as parlé. Alors déjà ça c'est trop stylé. Bah j'avoue c'est... Oh, le sang de titan. Ouais de ouf. T'as vu en plus à la cire. Mais je sais pas c'est quoi comme alcool. Hydromel spirit. Ça doit être hydromel. Vous voulez renseignement, goûter quelque chose, n'hésitez pas. Merci, c'est gentil. Là, t'as une grasse, là, t'as hydromel. Ok. Ah, du coup, on est plus sur l'hydromel. Là, t'as l'hydromel naturel. Je sais même pas ce qu'on a. Parfumé à la chine. Je sais même pas ce quoi. C'est quoi, en fait, c'est quoi l'hypocrase? J'avoue, je connais pas. On est plus sur une boisson du Moyen-Âge. Ok. On aide avec du vin, on fait macérer des épices, cannelle, gingembre, coupe girofle, cardamome. Ok. Un petit peu de miel. On est plus sur l'alcool du Moyen Âge. Ok. On est déjà avec une base de vin, sans broyer, sans blanc, sans bichon. Ouais. Ok. Ça peut être grave cool pour ceux qui aiment bien le vent de base. Ouais, si tu veux goûter, n'hésite pas à une hypocrase ou une hydromel. J'hésite à goûter, mais ça veut dire que je pourrais plus partir. Enfin, ça veut dire que c'est toi qui conduis. Enfin, tu me diras, l'hydromel, c'est pas très fort. En fait, moi, c'est plus hydromel là, qui me chaufferait. Pas toi ? Un hydromel, c'est un hydromel nature, parfumé à la mûre, parfumé à la châtaigne. Ok. C'est particulier, il faut aimer. Il y en a certains, ils aiment bien, parce que du coup, ça va cacher un peu. C'est pour ça qu'ils vont un peu vers la châtaigne. Le nature, ouais, mais c'est pour ça qu'il y en a certains, c'est nature, il ne faut pas le changer. Tu fais, c'est ma testeuse. Du coup, ça, c'est à quoi ? L'hydromel normalement il n'a pas de l'alcool. Après, il a, mais du coup c'est de l'hydromel classique. Il faut continuer un peu à faire monter, donc il va peut-être faire un alcool. C'est ce qu'il va faire, mais il n'y a pas. De toute façon, le miel c'est un conservateur naturel. Donc, en fait, il n'y a pas de. Alors il va te dire, comme tu dis, il va faire du miel, il va peut-être péter. Pourquoi j'ai donné à la pire connaisseuse? N'importe quoi. C'est lequel là? C'est le classique? C'était un problème, c'est qu'on ne saura jamais. Non, c'est pas un bâtiment. Du coup, celui-là que tu nous as fait goûter, c'était lequel? C'est l'hydromel nature. Ok, ouais, c'est ça. L'hypocrase c'est pareil en fait, le problème c'est que vu que c'est de l'artisanal, t'as toujours des épices en fait, moins t'en as. Attendez, on réfléchit, on revient. On va goûter plein d'alcool. Regardez comment les bouteilles sont belles en fait, et j'hésite avec soit genre une comme ça ou une comme ça. Mais je pense que je vais goûter pour savoir. Je sais pas. Putain, celle-là elle est pas mal. Ouais, moi aussi. Il y a mal la couleur et tout, ça. Ouais. Donc, la restauration polynésienne, mesdames et messieurs, c'est juste. Et du coup, je suis à la main. Genre, on dirait du jus de fruits en fait. Ça, c'est bon. Bah, pose-le. On se partage. Là, il y a plus de mec. Bah, c'est moi qui la conduis. Hein. Ah, ouais. Oh putain. Ah, je connaissais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment bon ça. C'est ça du coup, Hypocrase. Hypocrase, c'est celui-là, ouais. Celui-là, le Mirabelle, je l'ai fait goûter. Petits épices, petit peu de miel. Ah, celui-là, il est pas parfumé à la Mirabelle. Ouais, je déteste le vin, mais franchement. Ah, mais justement, là, avec les épices de miel, t'as moins le goût du vin, et ça fait un petit apéro assez sympa. Ouais. Et... toi, t'es à 12% d'alcool quand même, hein, comme un vin. Ouais, quand même, hein. Ouais, ouais. Comme un vin, tu dirais pas. Comment vous dire que c'était une dinguerie? Du coup, on a pris une petite bouteille, on est content. Franchement, elle est bonne. Je pense que ce soir, on va se retourner le crâne. Je vais vous approcher de la scène, mesdames et messieurs, puisque. Ah, mais c'est trop bon, ouais. À 18h, nous allons retrouver Fred de Pierre. Il y a un truc un peu hors-fil des esprits, je vais vous montrer ça.
après on est plus sur oh c'est trop stylé ça, ces trucs là. Tu sais genre les trucs anciens. Bonjour. Bonjour. Oh putain c'est vraiment chaud. Celle-ci elle sera pas trop. Ok, oh ça va. Non, j'ai pas. Ah ouais, oh, désolé. Non, non, ok. Wow. C'est vraiment joli. Hein. Et c'est vous qui faites tout ? Ok. C'est okay. Du papier qu'on imprime sur un papier japonais. Ok. On imprime, on achète des fichiers à des créateurs, des images, et on a le droit de réutiliser. Oui, les droits d'auteur et tout. Ouais, c'est... Et puis après, on les colle sur le support, avec après, je fais de la peinture à l'éponge et des accessoires. Ok. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien. Moyenne, ok, ouais. Yeah, je vais dire au caméraman et à vous en même temps, je me suis retourné. La meuf était vraiment à poil derrière moi. Genre, j'ai vu sa nénée, j'ai fait. Mais j'ai pas fait exprès. Genre, je me suis retourné. Genre, en mode parce que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Mais c'est juste parce que la meuf, il y a genre, en gros, comment vous expliquer, il y avait un miroir là, moi j'étais là. Du coup, quand je me retourne, je l'ai vu à poil parce qu'ils bah, sont en train de s'habiller quoi. Pas de ma faute. Mesdames et messieurs, stand 340 que vous avez entendu. Vu à la télévision dans l'émission Le Meilleur Tatoueur. Il y a un petit bar du coup. C'est ici qu'on est, c'est ici qu'on a été chercher notre bière tout à l'heure. Du coup avec les gobelets qui étaient trop beaux que je vous ai montré. Je kiffe les métiers comme ça avec qu'on travaille de cuir et tout. C'est des métiers qui, bah, qu'on fait plus trop et qui manquent. Franchement c'était trop stylé. Ok là c'est des trucs apéritifs. Oh les lunettes. Je veux les mêmes ou je suis jaloux. Attendez, regardez-moi ça. Bah, bah, là je vois la vie en rouge les gars. La vie en rose. Waouh. Je suis beau gosse ou quoi? Elle a dit oui de la tête. Hein. Faites-moi confiance, elle a dit oui. Des petits magnètes. Franchement, comme vous pouvez voir, en vrai c'est quand même assez rempli. Faut pas oublier que de base c'est juste un festival de tatouage. Et je trouve qu'ils mettent pas mal de choses. Un festival de tatouage. Tu commences pas avec moi et vous avez... voilà. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux rentrer, ressortir comme tu veux. C'est 16 euros. Franchement, c'est vraiment rentable de fou. Bon, on se retrouve juste après. J'adore ces dessins. Lui. Ils sont stylés. Là, on est de retour jusqu'à la voiture pour finaliser la vidéo. Et regardez le nombre de personnes qu'il y avait. Le parking, il est blindé en fait. C'est abusé. C'est aberrant. La débrief de la journée, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on a récupéré. Et bien sûr, à la fin de mon tatouage, on partira, je crois, à la fin de la vidéo, bien sûr. Du coup, comment pas commencer avec les magnifiques verres. Je sais pas si vous avez bien voir. Je trouve juste magnifique, j'ai rien à dire. Alors, on a des petites, genre, comme des cartes postales. Ça. Après, on a pas mal de stickers, genre, Deauville, Grand Tatou. Je veux bien que tu me les envoies, s'il te plaît. Un petit truc comme ça d'une meuf, t'es un peu chibi, Shiba, Shibi, Kilbi. Pardon. Patem Studio. Tiens. C'est un peu galère en fait. Un petit livre comme ça. Mais c'est vrai, le petit livret était cool. C'est un mec qui raconte sa vie à l'intérieur. Je sais pas si je vais réussir. Hop. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le prendre, ça peut être sympa. Après, bien sûr, comme vous avez vu, la petite bouteille. C'est comment ça s'appelle déjà? Le mec qui nous explique. L'hypocrase. C'est hyper bon, c'est même meilleur que l'hydromène. À mon humble avis, du coup, c'est comme il disait, cannelle, c'est girofle, du vin blanc tout. Avec quoi, des épices quoi. Ouais. Non, je crois pas que c'est du vin blanc. Si, je crois si, pas si. Qu'il y a de raisin. Il a dit que c'est à base de vin blanc, genre soit à base de vin blanc, de rosé ou de rouge. Et après, on avait pris des bonbons comme vous avez vu. En vrai, on avait pris que ça, je crois. Ce qui est déjà pas mal parce que bah, il y a les tatouages. Du coup, on va passer à mon tatouage et après, on partira sur la fin. Regardez-moi ça, les gars. Bon, ça saignote un peu, c'est normal. Mais dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez beau. Moi, je le trouve juste magnifique. Moi, je mettrais un bon 10 sur 10. Je suis vraiment impartial. Tu mettrais combien, toi? 8 sur 10. Ouais, la position ne me met pas en valeur. 8 sur 10. Ok, pas mal. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé à tourner pour vous et pour moi. Sur ce, on se retrouve bientôt